Bien, chers élus, je vous salue. Je salue le gouvernement, je salue le président du gouvernement. Je salue le public, je salue la presse, je salue bien évidemment les différents directeurs des services de la Nouvelle-Calédonie ici présents, ainsi que le secrétaire général par intérim. Bien, nous allons, comme d'habitude, faire l'appel. Très bien. Madame Marly est absente et donne procuration à Madame Sanmohamad. Monsieur Bretonnier est absent et donne procuration à Madame Délé. Madame Brizard. Présente. Madame Délé. Présente. Madame David. Madame Détex. Monsieur Jaïwé est absent et donne procuration à Madame Eurysouquet. Monsieur Douy. Monsieur Dounéote. Madame Eurysouquet. Madame Fallet-Lavaki. Président Frogier est absent et donne procuration à Monsieur Naturel. Monsieur Gay est absent, donne procuration à Madame Ponga. Monsieur Goa. Monsieur Goromido est absent et donne procuration à Monsieur Dounéote. Madame Eo. Président Népéoun. Madame Yekawe. Madame Lagarde. Monsieur Lallier. Monsieur Lagnier. Mademoiselle Laouvéa. Monsieur Lazare est absent et donne procuration à Monsieur Moulia Kaaka. Madame Lek est absente et donne procuration à Monsieur Lagnier. Monsieur Leroux. Madame Machoro-Régnier est absente. Présente. Président Martine. Présent. Monsieur Michel. Monsieur Moulia Kaaka. Monsieur Nesline, absent. Monsieur Naturel, président Néaoutine est absent et donne procuration à Madame Eo. Madame Hollène, Monsieur Pabouti, Mademoiselle Pascot est absente et donne procuration à Monsieur Vandégout. Monsieur Pouadja est absent et donne procuration à Madame Yekawe. Madame Ponga, Madame Poujapoujane, Monsieur Régent. Madame Robineau est absente et donne procuration à Monsieur Vittori. Monsieur Sam. Présent. Madame Sanmohamad. Madame Siolagadec est absente et donne procuration à Monsieur Song. Monsieur Song. Monsieur Chouéawa est absent et donne procuration au président Népéoun. Madame Tijinma est absente et donne procuration à Monsieur Yeyouéné. Monsieur Tivienan. Absent. Monsieur Ouregué. Madame Vaya-Limouin, Monsieur Vandégout, Monsieur Vittori, Madame Voisin est absente et donne procuration à Madame Lagarde, Monsieur Wamitan et Monsieur Yeyouéné. Le quorum est atteint, Président. Bien, je vous remercie. Alors, nous allons prendre, s'il vous plaît, le point 1 de l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport du gouvernement sur l'état des différents services et puis des participations. Et ensuite, nous prendrons donc le texte sur les huissiers. Donc, je salue Maître Seguin et Maître Fandou qui sont présents dans l'hémicycle. Et je leur dis que le texte qui les concerne, ce sera plutôt en fin de matinée. Mais la première partie du débat est intéressante aussi. Bien, Monsieur le Président du gouvernement, donc vous avez fait comme la loi organique le demande, avec les quelques modifications, donc un rapport sur l'état des différents services de la Nouvelle-Calédonie. Le rapport est important, il y a eu un bon travail de fait, il a été transmis dans les bons délais aux élus et une commission s'est tenue. Donc je pense qu'il est inutile de relire le travail de la commission. Ce que je vous propose pour la clarté du débat, c'est qu'on prenne service par service, que vous fassiez un exposé rapide, synthétique, et puis ensuite qu'on ouvre le débat, hein, et puis on passe comme ça à chaque direction, si vous le voulez bien, je pense que ça ira plus vite et ce sera plus clair. Parce que si on prend le rapport de commission comme on le fait d'habitude, ben on va lire les parties en bleu, ça sera à peu près incompréhensible, quoi. Donc moi je comprends que vous devez présenter un rapport qui doit être débattu, donc voilà, il faut faire plutôt le débat, quoi, me semble. Alors,
Ou alors, deuxième solution, vous faites un exposé sur l'ensemble des directions d'un seul coup, et puis ensuite, on passe au débat après votre exposé. C'est comme vous le souhaitez. Monsieur le Président, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. D'abord, si effectivement le rapport d'activité sur les services doit être rendu au Congrès par le Président du gouvernement chaque année, en ce qui concerne le rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie, c'est une obligation nouvelle issue de la loi organique modifiée d'août 2009, à laquelle donc je me suis conformé. Merci. En ce qui concerne maintenant les modalités, il n'est pas prévu dans la loi organique que ces rapports donnent lieu à débat. Il est prévu que le président du gouvernement simplement l'adresse au Congrès. Donc à partir de ce moment-là, trois hypothèses possibles. Soit il est adressé au Congrès et diffusé à l'ensemble des membres du Congrès et on s'arrête là. Deuxième hypothèse, il est examiné en commission et débattu en commission, ce qui a été fait. Troisième hypothèse qui peut être mise en œuvre, et c'est celle qui a été retenue par la conférence des présidents, c'est qu'il donne lieu non seulement à un examen en commission, mais également à un examen en séance publique. Donc c'est le sens de notre réunion d'aujourd'hui. Sur la manière d'aborder le sujet, il y a quand même 22 directions. On a passé en commission quasiment une dizaine d'heures sur les deux rapports. Est-il opportun de refaire le même exercice en séance? C'est à vous d'en décider. À mon sens, et après concertation rapide avec les membres du gouvernement, la meilleure méthode, c'est-à-dire celle qui nous permettrait de faire le travail dans un temps raisonnable et en permettant au débat d'exister au sein de l'hémicycle, c'est que nous donnions simplement lecture du petit C de chacune des fiches, puisque les fiches ont été formatées pour toutes les directions et systématiquement on a les objectifs proposés par la direction pour l'année 2010. Donc donner lecture pour chacune de ces directions de ces objectifs, c'est de manière générale une demi-page ou trois quarts de page, et ensuite après l'affichage de ces objectifs, que si les membres du Congrès en décident, qu'un débat puisse s'organiser, que nous puissions, membres du gouvernement ou directeurs concernés, répondre aux questions qui se posent. Donc voilà la méthodologie que nous vous proposons, Monsieur le Président. Bon, donc vous voulez qu'on dise le petit C à chaque fois? Vous ne souhaitez pas faire un résumé sur la direction pour ce qui s'est passé, puisqu'il s'agit d'un rapport dans ce qui s'est passé, et dire rapidement les objectifs? Vous ne voulez pas le faire en direct? Je crains que ça ne soit très long. C'est ça. Alors c'est curieux que je dise ça, mais oui. Je vois Didier Leroux et Corinne David, par exemple, en face de moi, qui opinent du bonnet. Donc je pense qu'eux aussi craignent que je ne sois trop long. Non, mais je disais un résumé synthétique, bien sûr. Vous savez, de toute façon, j'ai ma cloche, hein, je vous l'arrête. Vous savez que pour moi, ça relève de l'exploit, le résumé synthétique. Donc. Bon, alors j'ai compris, on va lire le petit C tout de suite. Alors, on va donc prendre le rapport, page 7. Donc, c'est le rapport 63 du 8 septembre. On va dire le petit C, donc on va prendre le rapport du gouvernement. On va prendre le rapport du gouvernement, pardon. Alors, le rapport du gouvernement, c'est le rapport 53. Alors, on démarrerait donc à la page 7, par la DIMAC. Monsieur le Président, c'est ça? Monsieur le Président du gouvernement, on commence par le petit C, en page 7, la DIMAC. Oui, ou le rapport de commission, page 9. Oui. C'est le C aussi, hein. Bien, Monsieur le Président de la Commission. Oui, merci Monsieur le Président. Juste, ce qu'on avait fait en commission, on avait lu la présentation, c'est-à-dire l'organisation du service, et direct derrière, on était passé aux objectifs, comme le proposait le Président du gouvernement. Je pense que c'est peut-être pas mal de faire ça. Il y a trois lignes d'organisation généralement par service, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps, mais ça permet à l'ensemble des élus d'être informés. D'accord. Alors, faites-nous la lecture, s'il vous plaît. Bien, je passe la parole à Monsieur le rapporteur. Bien, donc, nous sommes en page 7 du rapport de commission. DIMAC, donc en présentation, en organisation,
Adeline Fabre a laissé la place à Aurélien Louis le 14 septembre 2009 en tant que directeur. Ce dernier dirige ainsi 60 agents, dont 7 contrats à durée déterminée et 4 volontaires civils à l'aide technique. Si on passe ensuite à la page 9 sur les objectifs proposés par la direction pour l'année 2010, le deuxième semestre de l'année 2010 sera consacré au pilotage. C'est quel rapport ? Alors, c'est le rapport 53 en page 7, ou alors vous prenez le rapport de commission qui est le 63 en page 9. Vous avez le choix. Donc, normalement, vous allez vous y retrouver. Allez-y. Donc, je disais, en page 9 du rapport 63 de la commission, le deuxième semestre de l'année 2010 sera consacré au pilotage de la concertation publique sur le projet de schéma de l'énergie et du climat. Ce dernier posera les grandes orientations de la Nouvelle-Calédonie en matière de maîtrise de la demande énergétique et de développement des sources d'énergie renouvelable locale. Il s'attachera également à la préparation du programme de proposition, réglementaire et financière à soumettre au comité permanent de l'énergie d'ici la fin de l'année. En parallèle et dans la continuité des travaux entrepris en 2009, la réforme du secteur électrique sera reprise et améliorée dans le sens d'un renforcement des incitations à la gestion efficace des réseaux et du pouvoir de contrôle de l'administration. Cette dernière apportera une parfaite transparence dans la méthode de calcul des tarifs publics de l'électricité et fournira aux opérateurs des conditions économiques stables et incitatives pour l'exercice de leur activité. Il convient de souligner que la modernisation de la tarification de l'électricité est un préalable indispensable à la mise en œuvre des programmes d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables en Nouvelle-Calédonie. La révision des conditions de cession du productible de l'aménagement hydraulique de Yaté à la société Le Nickel sera entreprise également dans le courant du second semestre. Afin de finaliser l'électrification du nord du pays, un programme spécifique de financement du projet de réseau de transport bouclage du nord sous la forme d'un prêt garanti par la Nouvelle-Calédonie et l'affectation au FER d'une enveloppe spéciale dédiée au projet d'électrification afférent a été mise en place et sera soumis au Congrès en 2010. En matière minière, le Fonds Nickel publiera un programme pluriannuel de réhabilitation des sites dégradés par l'activité minière qui constituera son programme d'intervention pour les années à venir. Enfin, la DIMAC contribuera à la meilleure prise en compte des risques sanitaires et professionnels liés à l'amiante professionnelle par la prise en charge d'un groupe d'experts, expertise Boulmier, par la co-rédaction avec la DTE d'une réglementation relative à la prise en compte du risque amiante dans les activités extractives et par la poursuite des inventaires communaux d'amiante environnementale. Bien, alors on en a terminé. Monsieur le Président du gouvernement, vous vouliez la parole ? Pas particulièrement, Monsieur le Président. J'ai donc développé en commission de manière plus détaillée les différents projets et objectifs de cette année 2010. Oui, alors dans le débat, qui veut intervenir ? Pas d'intervention, alors nous passons à l'aviation civile. Allons-y. Alors nous sommes en page 11 du rapport de commission des finances avec le premier point de présentation et d'organisation. Donc la direction de l'aviation civile en Nouvelle-Calédonie est un service mixte qui relève à la fois de l'État et de la Nouvelle-Calédonie. Elle est dirigée par son directeur Christian Assailly, assisté de son adjoint Sébastien Chen, et compte 235 agents dont 67 sont rémunérés sur le budget de la Nouvelle-Calédonie. Nous passons ensuite au petit C, qui est en page 13 du rapport du gouvernement. Oui, petit C, donc effectivement page 13, les objectifs pour l'année 2010. Donc, continuer de tout mettre en œuvre pour assurer la meilleure sécurité possible des vols et des populations survolées sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie et développer les transports aériens. Exercice des compétences, donc finaliser la nouvelle convention État-Nouvelle-Calédonie qui précise les modalités d'exercice des compétences des deux collectivités en matière d'aviation civile et notamment les modalités de la territorialisation des cadres. Préparer le transfert de compétences en matière de police et de sécurité au niveau de la circulation aérienne intérieure. Au chapitre de la réorganisation de la direction, nouvel organigramme de la direction autour de ses métiers, navigation aérienne, sécurité, ingénierie, régulation, administration, et non plus autour des compétences État-Nouvelle-Calédonie. Au chapitre des projets techniques, pour améliorer l'efficacité de la surveillance et de la sécurité de la navigation aérienne, ainsi que l'offre et la qualité du transport aérien, consolider la mise en place de la visualisation ADS-B
pour progresser vers une utilisation identique à celle d'un outil radar permettant d'utiliser le système pour des croisements entre aéronefs et donc d'améliorer la sécurité et la fluidité des vols. Adapter les aérodromes de la Nouvelle-Calédonie à la TR-72 et à la desserte inter-île. Sur Nouméa, la Tontouta, déplacement des locaux techniques de l'aviation civile en vue de l'extension de l'aérocar en 2011. Sur Magenta, construction d'une nouvelle aérogare de fret. Réaménagement de l'aérogare passager, rénovation et extension du bloc technique de Magenta, balisage de nuit dans le cadre de l'extension de la piste et modification de l'emplacement du papy en piste 35, relevé d'obstacles dans les trouées d'envol, de même que sur les autres aérodromes de la Nouvelle-Calédonie, obtenir la certification homologation de l'aérodrome en 2010 et certification en 2011. Élaboration des documents de planification des aérodromes de la Tontouta et de Magenta pour l'IFU, construire et équiper la nouvelle tour de l'IFU et mettre en place les procédures basées sur la navigation satellitaire. Au chapitre des projets économiques et juridiques, obtenir des routes sur l'Asie dans le cadre de la révision des accords France-Pays d'Asie, mettre en œuvre les conventions de concession pour la gestion des aéroports de la Nouvelle-Calédonie, Magenta, l'IFU et Koné, préparer le transfert du bureau d'aide aux passagers aériens dans le cadre de la concentration de l'aide au niveau d'un groupement d'intérêt public, piloter l'étude sur la desserte aérienne internationale de la Nouvelle-Calédonie avec la DANC, contribuer au plan de redressement d'Aircal. Sur la gestion de personnel, consolider les procédures de maintien des mentions linguistiques en langue anglaise, renouveler les agréments des entités de formation obtenues en mars 2008 et dont l'échéance arrive à terme en mars 2011. À ce titre, un nouvel audit des entités de formation est programmé en octobre 2010. Affectation des contrôleurs aériens de statut local à la Tontouta. Au chapitre de la coopération régionale, préparer la 48e réunion annuelle des directeurs de l'aviation civile de la zone Asie-Pacifique qui aura lieu à Nouméa en 2011. Participer et représenter la direction générale de l'aviation civile aux différents groupes de travail sur le management du trafic aérien, communication, système de la sécurité et de la navigation aérienne, ADSB, procédure basée sur la navigation satellitaire dans la zone Asie-Pacifique. Et enfin, en objectifs divers, rénovation et extension du siège de la DAC à Nouméa, construction du campus universitaire et des locaux LLSH à l'UNC devant accueillir le village des Jeux du Pacifique Sud en 2011. Bien. Alors, dans le débat, y a-t-il des intervenants ? Pas d'intervenants. Donc, il faut prendre ensuite, chez Michel, la météorologie. En page 16... Qui voulait intervenir ? Comment ? Oui, cela dit, allez-y. C'est vrai que c'est votre spécialité, l'aérodotique. Allez-y. Non, monsieur le Président, c'est simplement parce qu'on a passé 10 heures en commission. Puis effectivement, comme le rapport n'est pas relu ici, finalement, on n'a pas perdu notre temps, mais on n'a pas fait le travail nécessaire pour le congrès. Non, simplement, je voulais revenir dans mon intervention par rapport au problème de l'aéroport de Magenta. Y a vraiment un problème d'organisation et de cet aéroport, et compte tenu du volume de trafic, ça devient impossible ni de se garer ni de circuler. L'aéroport devient petit, les tapis comme ce matin est en panne. Voilà, je souhaite qu'on puisse faire véritablement une réunion pour bien voir comment on peut voir l'ensemble de l'aéroport de Magenta par rapport à volume de trafic aujourd'hui et à venir. Je sais que vous étiez favorable pour que réduire un seul aéroport chez vous, tant tout temps, mais bon, ça fait partie des éléments de réflexion. Vous, directeur. Non, je parlais de vous. Oui. Mais j'allais vous le dire, justement, je propose qu'on le transfère à Tontouta. Il n'y a plus de problème ni de parking, ni de rien du tout. Bien, alors, ensuite, sur la météorologie. Nous sommes en page 16 du rapport concernant l'organisation, donc le service territorial de la météorologie de la Nouvelle-Calédonie, dirigé par Eric Peterman, exerce son activité par convention avec Météo France. Aussi est-il également une direction interrégionale de Météo France qui couvre la Nouvelle-Calédonie ainsi que les îles Wallis et Futuna. Au 1er janvier 2010, son effectif budgétaire en Calédonie est de 73 personnes, dont 66 fonctionnaires territoriaux, 7 fonctionnaires du cadre État, dont 4 résidents et 3 expatriés.
Son budget, y compris les dépenses de personnel, provient pour environ 80% du budget de l'établissement public Météo France, le reste du budget de la Nouvelle-Calédonie. Nous passons ensuite à la page 17 pour les objectifs proposés pour 2010. Premièrement, au plan technique et logistique, il s'agit de terminer les projets techniques pluriannuels, automatisation de l'observation sur l'aérodrome, système Castor sur les deux autres radars de Nouvelle-Calédonie et calcul des cumuls de précipitations par imagerie radar composite. Mettre en œuvre le nouvel outil de production et de diffusion de l'information, rénover le site internet, reprendre le chantier de réhabilitation du bâtiment B2, démarrer le projet de réalisation du réseau de capteurs de foudre, notifier le marché, réaliser une partie des infrastructures, valider le plan de projet pour une réalisation début 2011. Au chapitre des métiers, s'approprier le nouveau modèle de simulation haute résolution Aladdin Pacifique qui sera opérationnel en 2011. Organiser un stage de formation à l'attention des prévisionnistes issus de 11 pays insulaires du Pacifique. Terminer la mise au point du nouvel outil de prévision du risque incendie. Enfin, au chapitre du management et des ressources humaines, valider et signer une nouvelle convention entre Météo France et la Calédonie, conventionner avec les provinces pour le service de l'aéronautique, optimiser l'utilisation des ressources humaines, réorganisation de la prévision avec des techniciens qui prennent le poste de prévision amont, disposer d'un nouveau texte régissant le service minimum en cas de grève. Bien, je vous remercie. Alors, dans le débat, qui veut prendre la parole sur la météorologie? Bien, il n'y a pas de candidat pour la météo. Alors, ensuite. Au bas de la page 17, en ce qui concerne la DFPC, donc au chapitre de l'organisation, donc dirigée par Pierre-Henri Char, la DFPC compte 22 agents. Elle a fait l'objet d'une réorganisation fin 2008 autour du recentrage de ses sections et de ses missions affectées à chaque et des missions affectées à chacune et la création de deux services. Nous passons ensuite à la page 19. Du rapport pour les objectifs de l'année 2010. Donc l'action de la DFPC se structure autour de 7 axes. Premièrement, la définition de la politique de la Nouvelle-Calédonie en matière de formation professionnelle continue, mise en place dès mars 2010 des états généraux de la formation professionnelle. Donc ces états généraux permettront de faire le point sur la politique et les outils de la formation professionnelle et devront se conclure par des propositions de réforme qui renforceront la cohérence et l'efficacité de notre politique de développement des compétences. Deuxièmement, amélioration de la prise en compte des aptitudes et des besoins des publics demandeurs. Veillez à ce que le dispositif d'information et de prescription des stagiaires progresse en allant plus au-devant des personnes devant bénéficier d'une aide en matière d'insertion professionnelle. L'objectif est que le public traité par ce dispositif soit en 2011 supérieur de 30% à ce qu'il était en 2009. Par ailleurs, les actions déjà menées pour professionnaliser les acteurs de ce réseau et pour doter ces acteurs d'un outil informatique commun seront poursuivies. La DFPC s'attachera également à créer une instance de concertation entre la Calédonie et les provinces en matière d'insertion sociale, professionnelle et de formation, dans le but de rendre plus cohérentes leurs politiques respectives en la matière. Troisièmement, une mobilisation plus forte des acteurs économiques. Les partenaires sociaux doivent mieux s'approprier les problématiques, outils et méthodes développées en matière de formation professionnelle. Pour cela, il sera nécessaire de mieux structurer la formation professionnelle continue en filières adossées aux branches professionnelles, par la mise en place de centres de formation dédiés à la maintenance automobile et à la maintenance des engins pour la mine et du BTP, au métier du tourisme, aux secondes œuvres du bâtiment. Enfin, adaptation qualitative de l'outil de formation, confirmation de l'engagement dans la démarche qualité, professionnalisation des acteurs de la formation, proposition et développement de pôles d'excellence sectoriels. Ces objectifs seront amenés à évoluer en fonction du rapport de la Chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie et du résultat des états généraux et enfin de l'évaluation de la politique de la formation professionnelle continue. Merci. Bien, donc dans le débat, des intervenants. Pas d'intervenants, alors la suite s'il vous plaît. Nous sommes en page 21 en ce qui concerne la présentation de l'organisation de la DBAF. La DBAF est dirigée par Betty Audier, compte 40 postes budgétaires pérennes et un CDD. Au chapitre des objectifs pour 2010, page 22, premièrement un engagement dans la modernisation de la gestion des finances publiques. Dans le cadre du plan de performance des politiques publiques, la DBAF doit être un moteur et un facilitateur des évolutions à venir. À cet effet, elle a prévu, petit a, la présentation du PP 2011 en mission, programme et action.
Petit B, la restructuration du cadre budgétaire et comptable de Surfi pour s'adapter au cadre des schémas directeurs. Petit C, de fournir le support pour le débat d'orientation budgétaire. Petit D, de préparer le changement de nomenclature comptable et l'affectation des règles budgétaires et l'adaptation des règles budgétaires et comptables. Petit E, d'étudier et de recueillir les besoins en matière de gestion financière du patrimoine de la Nouvelle-Calédonie, rédiger le cahier des charges. Deuxième objectif, une amélioration continue, progressive et mesurable des services rendus aux partenaires, avec petit A, améliorer l'assistance et le conseil auprès des directions par la poursuite du travail d'amélioration des délais de paiement et des délais de visa financés des actes, ainsi que par une amélioration du taux d'exécution des recettes des services par rapport à 2009, auprès des établissements publics par une assistance renforcée dans la conduite du changement relative aux modifications apportées par la loi organique et aux nouvelles nomenclatures comptables, auprès des communes pour la mise en place d'un suivi opérationnel synthétique des projets du FIP équipement. Ensuite, mettre en place et développer le support métier afin d'améliorer la mission de contrôle et de conseil en amont. C'est mettre en place une communication financière par le développement d'un infocentre simplifié avec l'appui de la DTSI, permettant ainsi la production d'une information financière périodique et pertinente. Suivre dynamiquement la dette et la trésorerie de la Nouvelle-Calédonie. Collaborer aux analyses des impacts financiers liés aux compétences à transférer en appui avec la cellule des transferts de compétences. Et enfin, suivre l'avancement du projet de relogement de la DEBAF dans les anciens locaux de la DIRAG. Bien. Alors, dans le débat, qui veut intervenir ? Et les observations ? Pas d'observation. Alors ensuite, M. Michel. Ensuite, la DSF, au bas de la page 23. Donc, en organisation, Stéphanie Boiteux, sa directrice, et Patrice Mussard, son adjoint, dirige cette direction composée de 54 agents, dont vous avez un tableau récapitulatif. 154, pardon, agents. Dont la répartition par catégorie est détaillée dans le tableau ci-dessous, ce qui nous permet de passer à la page, au bas de la page 25 pour les missions 2010. Dans le cadre du plan de performance des politiques publiques piloté par le gouvernement, la DSF finalise son schéma directeur qui s'inscrit dans la mission 14 gestion des finances publiques et dans le programme 01 stratégie et gestion fiscale. Ce schéma permettra la poursuite des cibles des indicateurs de performance liés à l'activité de la direction. Dans le cadre de la déclaration de politique générale prononcée par le président du gouvernement le 31 août, la direction est chargée, 1. De préparer 4 projets de loi du pays. Projet de loi du pays créant un crédit d'impôt pour le prêt à taux zéro. Projet de loi du pays instituant un crédit d'impôt pour les crèches d'entreprise et portant nouvelles dispositions d'ordre fiscal. Projet de loi du pays aménageant les niches fiscales. Projet de loi du pays instituant un versement transport et une délibération concernant la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Ensuite, de participer aux études pilotées par le gouvernement concernant la réforme de l'aide fiscale à l'investissement, la refonte de la fiscalité indirecte et la mise en place de la contribution calédonienne de solidarité. Pour sa part, la direction a également engagé des travaux législatifs sur 2 sujets, projet de loi de pays sur le contrôle des comptabilités informatisées et projet de loi du pays sur les biens vacants 100 mètres et 100 mètres. Bien, donc sur les services fiscaux, vous avez des observations. Monsieur Lallier, allez-y. Merci. Président, vous ne m'aviez pas vu tout à l'heure, mais, je voulais quand même refaire le... dire au président de gouvernement s'il n'est pas possible, parce que je n'ai pas pu voir le membre du gouvernement chargé de l'information, s'il pouvait considérer que la formation en matière sportive et sociale soit aussi considérée dans le cadre de la formation professionnelle. Je demande simplement à étudier cette possibilité parce qu'aujourd'hui c'est un peu géré par la DTJS. Pour revenir donc à DSF, j'ai vu que vous avez inscrit un certain nombre d'objectifs qui sont très intéressants. Par rapport aux interventions que nous avons faites dernièrement dans le cadre des réformes nécessaires de la fiscalité, il aurait été intéressant d'avoir des perspectives en termes de dates pour qu'on puisse voir à peu près où on va, pour pas qu'on ait l'impression de aujourd'hui on présente la même chose et que l'année prochaine on va nous représenter la même chose. Ce serait intéressant qu'on puisse
avoir un peu de perspective par rapport à l'efficacité de ses objectifs, enfin à la réalisation de ses objectifs. Voilà, merci. Bien, monsieur le président du gouvernement. Oui, monsieur le président, Bernard Deladrière, chargé du budget et de la fiscalité, va apporter une réponse pertinente et précise à J'espère. La demande de monsieur Lallier. J'espère, monsieur Lallier. Si on reprend les différents thèmes, le projet de loi du pays créant un crédit d'impôt pour le prêt à taux zéro est au Conseil d'État. Donc ça y est, il est fait, il est au Conseil d'État. Le projet de loi du pays instituant un crédit d'impôt pour les crèches d'entreprise et portant diverses dispositions d'ordre fiscal et prêt, il sera arrêté par le gouvernement collégial mardi prochain. Le projet de loi du pays aménageant les niches fiscales et la délibération concernant la réforme du barème sur l'impôt sur le revenu, les données sont prêtes. Sur le dépôt de ces textes, ça sera probablement plutôt fin 2011. La réforme de l'aide fiscale à l'investissement, nous sommes en possession du rapport d'évaluation, de l'audit. Et le gouvernement en a pris connaissance et il reste maintenant à déterminer collégialement quelles sont les préconisations qui sont retenues. Sur la refonte de la fiscalité indirecte, l'inspecteur général des finances qui nous aide, qui nous accompagne dans cette démarche est présent sur le territoire pour la deuxième fois cette année. Il est actuellement en contact avec les différents services et acteurs économiques pour mettre au point sa proposition de stratégie sur cette réforme. Et pour la mise en place de la contribution calédonienne de solidarité, le texte sera prêt au premier trimestre 2011. Oui, monsieur Lallier. Oui, président, je m'excuse de réintervenir. Non, pas du tout. C'est votre droit plus absolu. Merci de me rappeler gentiment. Monsieur le Président, simplement pour dire que le dossier sur la réforme de la fiscalité, l'ensemble de la fiscalité, est quelque chose de très, très intéressant et nécessaire par rapport à tous ces problèmes de transfert de compétences qui vont venir. Moi, ce que je proposais, c'est que ce ne soit pas quelque chose qui soit traité comme tous les dossiers, des textes qui passent par la voie normale institutionnelle, mais qu'on puisse y avoir une organisation, des commissions qui soient mises en œuvre pour permettre d'avoir un travail cohérent entre le gouvernement et le Congrès, et en tout cas le groupe politique qui peut impulser des idées et dans le cadre d'une gestion normale des services par les membres du gouvernement, risque de pas être bien travaillé au niveau de la collégialité, je veux dire que chacun est intéressé par son secteur, et donc à la réunion de la collégialité, c'est des appréciations d'ordre général et global politique, de manière politique, mais globale. Et par contre, c'est plus intéressant avant de rentrer dans une procédure administrative normale. Ce serait intéressant qu'il y ait je ne sais pas si c'est nécessaire de mettre en place une commission ici qui dépasse les commissions internes du Congrès. Oui. D'accord. Monsieur le président du gouvernement. Le gouvernement est composé à la proportionnelle des groupes politiques représentés au sein de l'Assemblée. À ma connaissance, donc, tous les groupes politiques sont représentés au sein du gouvernement. Qu'il y ait des idées en matière fiscale, sociale, de droit du travail, économique, ou de formation professionnelle dans chaque groupe politique du Congrès, ça va de soi. Et donc, moi, ce que je souhaite, si on veut un fonctionnement normal de nos institutions, c'est que des liens renforcés soient mis en œuvre entre les groupes politiques du Congrès et les membres du gouvernement qui sont censés les représenter. Et que ces liens politiques renforcés permettent aux idées qui sont dans les groupes politiques du Congrès de venir irriguer les réunions de collégialité du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Donc voilà la bonne procédure dans le cadre de l'accord de Nouméa. Après, il y a eu à une époque dans le Congrès
une commission spéciale fiscalité qui avait été créée, qui était présidée d'ailleurs pendant quelques années par Paul Néoutin, qui avait examiné de nombreux sujets fiscaux, aussi bien en matière d'imposition directe qu'indirecte, et qui avait eu, je crois, son utilité, parce que c'est vrai que c'est des matières qui sont complexes et qu'il y a des membres du Congrès qui souhaitent s'y intéresser plus particulièrement. Donc peut-être que dans ce cadre-là, quelque chose peut être réfléchi, hein, mais ça ne peut pas être une sorte de commission qui substitue au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Ça ne peut pas fonctionner comme ça, ou alors il faut modifier.